Good morning, allez Iden, les titres aujourd'hui, les Nishmat, David, Ben Fortuna, Mazal Fitna et Lucienne, Bat Vaina. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Nazir, Perekhe, Mishnah Bet. Dinar Zahav, Sheyale, Beyadi, Rishon, Arehu, Hegdesh, Veala, Shel Kesef, Bet Shamay Omrim, Hegdesh, ou Bet Yele Omrim, Eno Hegdesh. Chavit, Shal Yain, Shetale, Beyadi, Rishona, Arehi, Hegdesh, Vealta, Shel Shemen, Bet Shamay Omrim, Hegdesh, ou Bet Yele Omrim, Eno Hegdesh. Je traduis directement, on a déjà expliqué tout le principe de la Mishnah, et on a même évoqué les cas de la Mishnah dans la Mishnah précédente. D'abord je traduis, après on rappelle vite fait ce qui se passe. Dinar Zahav Sheyale Beyadi Rishon. Le premier dinar d'or qui sortira de ma main, qui montera le premier dans ma main. Le gars, il a envie de sanctifier une pièce au Beth-Amikdash. Comme ça, le Beth-Amikdash, il a de l'argent pour... D'accord, comme on fait un vœu de Tzedaka, il dit, allez, la première pièce d'or qui monte dans ma main, c'est Hekdesh. Il prend une pièce, et puis d'un coup, il ouvre la main, il voit que c'est une pièce d'argent. Est-ce que cette pièce sera Hekdesh ou non? Alors, on a une marloquette de nouveau. Bet Shamayomrim, je reprends les mots, je ne sais pas si j'ai tout traduit. Dinar Zav, chez Yaleb et Adirishon, le premier dinar d'or qui montera dans ma main en premier, Areo Hekdesh, il sera sanctifié. Ve'ala Shel Kesef, et finalement, il a saisi une pièce d'argent. Bet Shamay Omrim Hekdesh, Bet Shamay me dit que ce que tu as fait, ce sera quand même Hekdesh, ta pièce d'argent sera sanctifiée. Au Bet Yelel Omrim, et nous Hekdesh, et Bet Yelel me dit non, ce ne sera pas Hekdesh, tu as parlé d'or, tu as sorti de l'argent, ce n'est pas Hekdesh. Chavit Shaliyahin, et deuxième cas de figure, Chavit Shaliyahin, chez Aleb Yadi Rishona. Il était dans sa cave, il a dit allez, je prends le premier tonneau sur le que je monte, le premier tonneau de vin que je monte, je le sanctifie. Il descend dans sa cave, il prend un tonneau, il remonte, et puis après il remarque que c'est un tonneau d'huile. Il a parlé de vin, il fait monter de l'huile. Est-ce que ce sera Hekdesh ou pas? Alors, Ve'alta Shechemet, donc il a eu un tonneau d'huile qui est monté. Bet Shamay Omrim Hekdesh, Bet Shamay me dit que ce sera Hekdesh, Bet Yelel Omrim, Eno Hekdesh, et Bet Yelel me dit que ce ne sera pas Hekdesh. De quoi on parle plus précisément? C'est qu'en fait, c'est fréquent. On ajoute des qualificatifs, des adjectifs pour définir les choses, mais on n'a pas de contre-indication que si finalement c'est pas comme ce qu'on a dit, que ce sera quand même juste. Imaginez, c'est comme si vous allez dire, t'as deux garçons, David et Jonathan, et t'appelles, tu dis, David va me chercher un verre d'eau, en fait tu parles, t'es en train de parler à Jonathan, tu l'appelles David. Alors est-ce que, ton intention, c'est mort David, tu croyais que c'est David, c'est pas grave, si c'est Jonathan, ben c'est quand même Jonathan. Parce que ton but, c'était de dire, toi, tu bouges, tu vas chercher un verre d'eau. Ouais, même ne m'attrape pas sur les mots, en fait, c'est un peu le principe. Alors Bet Shamay va me dire, bah écoute, dans le Hekdesh, tu peux, même si tu ajoutes des adjectifs, dans la mesure où tu ajoutes des adjectifs, mais c'est pas, comment dire, ça va pas invalider, si c'est pas exactement comme ce que tu as dit, ton intention, elle est quand même là. Tu as dit des mots qui sont, si on supprime quelques mots de ce que tu as dit, ta phrase, elle a quand même une allure. C'est pas que tu as dit, je prends un concombre, je dis, je me dis cette carotte. Là, ce sera pas Hekdesh, parce que concombre, carotte, c'est deux choses. Mais si tu dis ce concombre grand, et en fait, c'est un concombre petit, alors là, tu as dit quand même une certaine phrase qui peut supporter ce que tu as dit en supprimant l'adjectif, en disant l'adjectif, bon, il a dit, mais sans le penser réellement, on supprime le mot, puisqu'il n'avait pas de faute d'intention forte, mais ce sera quand même Hekdesh. Ça, c'est l'avis de Bet Shamay. Et donc, on le remarque quand il a parlé le tonneau, quand il a dit la pièce, quand il a dit l'animal, c'est la mission précédente. Et ça, c'est déduit des halakhot de Tmoura. Parce que de Tmoura, lorsqu'on veut, il y a une halakha dans la Torah, que lorsque tu veux transférer la kdusha d'un animal sur l'autre, c'est interdit de le faire. Et quand tu transfères, les deux seront kadosh, Rayahu, Tmoura, Toye, Kodesh, et pire que ça même, même si tu as mal dit la phrase, tu es en train de saisir une vache même. Il y en a vu, je crois que c'est discuté. Tu es en train de saisir une vache, tu as dit, ce mouton, il sera la Tmoura, il sera la... Je transfère la kdusha de ce mouton sur ce mouton. Et d'un coup, c'est une... Pas d'un coup, il a dit mouton, il voit que c'est une vache. Là-bas, même si c'est complètement trompé, même, ce sera quand même kadosh. Et du coup, Bet Shamay me dit, bah, autant que là-bas, on va selon ton intention de dire cet animal, même si tu as parlé de vache, de mouton, ou mouton brun, ou mouton blanc, la même chose, alors, si tu veux sanctifier une pièce,
Il te dit, or, en fait, c'est de l'argent, tu seras quand même sanctifié. Ok? Ça, c'est la vie de Beth Shammai. Et Beth Hillel, il discute, il conteste, il dit, non, écoute-moi. Il y a une grande règle dans tout ce que tu sanctifies, c'est la phrase, les mots que tu as dit. Et si les mots que tu as dit ne supportent pas ton intention, tu es en déphasage entre ton intention et tes mots. Il n'y a ni mots, ni intention, il n'y a rien qui est enclenché. D'accord? Et le but de ces Mishnayot, c'est d'arriver dans la prochaine Mishnah, Bezrat Hashem, où enfin on va revenir dans la Lachot de Nazir avec un détail de celui qui va annuler son vœu de Nazirut, qu'est-ce qu'il fera avec ses animaux, et du coup, ça va partir en discussion de Beth Shammai et Beth Hillel en rapport avec les Mishnayot précédentes. Pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.